Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actu en Savoie-Mont-Blanc. Nous irons d'abord du côté de Chambéry pour la traditionnelle Foire de Savoie. L'occasion pour les exposants et les potentiels acheteurs de faire de nombreuses affaires. Olivia Boisson nous dira quelles retombées économiques cela engendre. Et puis, deuxième épisode de notre série, aujourd'hui focus sur les scientifiques qui surveillent constamment l'évolution de la montagne pour en assurer la sécurité. Un travail extrêmement complexe, vous le verrez. Mais on débute ce journal du côté de Chambéry avec le procès en appel dans l'affaire Tefal. L'ancienne inspectrice du travail Laura Pfeiffer et Christophe Micheli, lanceur d'alerte, avaient fait appel de leur condamnation. En décembre dernier, Laura Pfeiffer avait été condamnée à 3500 euros d'amende avec sursis pour recel et violation du secret professionnel. Christophe Micheli, informaticien, avait écopé de la même peine pour accès frauduleux. Durant l'audience de cet après-midi, les deux prévenus ont vivement contesté cette condamnation. En dénonçant les pratiques de Tefal. L'avocate générale a quant à elle demandé la confirmation de cette peine. Ce mercredi soir à 18h30, les délibérations étaient toujours en cours. Les interviews seront à retrouver dans le JT de jeudi soir. Je vous le disais en titre, la 88e Foire de Savoie a débuté depuis quelques jours. Cette année, c'est l'Amérique du Sud qui est à l'honneur avec l'exposition au fil de l'Amazone. Mais la foire, c'est une centaine de stands et donc l'occasion pour les exposants et les potentiels clients de se rencontrer pour parler business. L'année dernière, près de 92 000 entrées avaient été enregistrées. Alors les affaires sont-elles aussi fructueuses cette année? Olivia Boisson s'est rendue sur place. Cette année, 425 exposants occupent les allées de la Foire de Savoie. Tous se sont réunis lors de la manifestation économique et festive la plus importante du département. La première des choses, c'est de pouvoir montrer, présenter leurs nouveautés. D'être à la rencontre de leurs clients, de futurs prospects, de prendre des contacts et de montrer leur savoir-faire. À la Foire de Savoie, on sort du schéma classique hein, de la vente en magasin, ou même certaines personnes ont du mal à pousser une porte, on se sent un petit peu obligé lorsqu'on est à l'intérieur d'un magasin d'acheter. Là, ce n'est pas du tout le cas. On vient, les stands sont tous ouverts et on se balade. Et c'est le but. 90% des exposants sont savoyards et fidèles à la foire qui fête cette année ses 88 ans. Pour l'occasion, sont exposés des produits et un savoir-faire français. C'est le cas de l'entreprise Savoie Aqua Concept, présente depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, c'est là où on trouve, où on va drainer réellement les clients particuliers, où on va avoir vraiment des gens qui vont être intéressés, que ce soit à court terme ou à long terme. Le spa est en pleine évolution aujourd'hui et il n'est pas rare d'avoir, depuis 3 voire 5 ans en arrière, des gens qui se sont déjà intéressés à notre spa et qui du coup vont concrétiser 5 ans après, quoi. Ça commence à mûrir gentiment dans leur tête. Donc c'est très important d'être présent directement sur place aux particuliers et être là pour leur expliquer exactement ce que l'on fait et ce que l'on propose. Les visiteurs peuvent encore découvrir les quelques 40 000 m² d'exposition jusqu'au 19 septembre. Un mot de transport à présent. Vous le savez, les conditions de circulation entre Thonon et Genève se dégradent. C'est donc dans ce contexte qu'un projet de mobilité de 19,4 millions d'euros va être mis en place, notamment sur la ligne transfrontalière T71. Le but, avoir un bus à haut niveau de service. C'est le département de la Haute-Savoie qui est chargé des études préalables au projet côté français. Suite de notre série consacrée aux conséquences du réchauffement climatique en montagne, toujours en constante évolution, elle est aujourd'hui accessible à tous. Pourtant, pour éviter au maximum les accidents, nos massifs sont surveillés à chaque instant. Température, glace, épaisseur de neige sont autant de points à étudier par les scientifiques pour permettre d'anticiper et de rendre la montagne la plus sûre possible. Emmanuel Jaude nous en dit plus. À l'heure où le dérèglement climatique transforme le milieu montagnard, de nombreux scientifiques s'affairent à observer, avec le plus grand sérieux, les changements de ces zones d'altitude. Glaciers, sommets, mais aussi permafrost et hydrométrie sont autant d'études menées depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, on a de la technologie qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. On sait extraire beaucoup d'informations d'une carotte de glace. Et on a vu à quel point ces technologies, elles se développent rapidement.
Donc aujourd'hui, on essaye d'extraire des carottes de glace, sachant que les sites sont en train de se détériorer. L'information va être perdue dès qu'on aura des événements un peu trop chauds. On va perdre de l'information parce que de la neige va fondre. L'eau de fonte va traverser les manteaux neigeux, va lisser l'information. Donc l'objectif est aujourd'hui de pouvoir collecter des échantillons de bonne qualité et les mettre, les préserver congelés pour le jour où des nouvelles technologies seront disponibles pour les analyses. Et au centre des regards, l'un des sommets les plus étudiés, le Mont Blanc. Chaque année, de nombreux chercheurs se rendent sur les pentes abruptes du toit de l'Europe pour trouver les explications de l'évolution de notre climat. Et cela commence avec l'évolution de son altitude. À cette altitude-là, on n'a quasiment pas de fonte. La fonte se compte en quelques millimètres par an. Donc l'altitude du Mont Blanc n'est absolument pas conditionnée par la fonte et donc absolument pas conditionnée par le réchauffement climatique. Pourtant, la recherche va aujourd'hui beaucoup plus loin avec la récolte d'échantillons de glace qui ne profiteront qu'aux futures générations. Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le changement climatique, sur les informations de variations de température, sur des informations des émissions de polluants depuis l'ère industrielle. Par contre, on développe de plus en plus de techniques analytiques qui peuvent apporter des informations sur l'évolution de certaines bactéries, l'évolution de certains virus. Les techniques sont en train d'être mises au point, mais en train d'être testées sur des échantillons de neige, mais ne sont pas encore au point aujourd'hui pour faire de la reconstruction du passé. Donc l'objectif est vraiment d'avoir des échantillons qui restent disponibles pour ce genre d'analyse dans le futur. C'est donc aujourd'hui que se récoltent les informations de demain. Une anticipation forcée par le climat, mais qui a au final permis une prise de conscience et une mobilisation sans précédent autour de ces enjeux climatiques d'altitude, véritable bibliothèque de l'histoire de notre planète. Alors que les Jeux paralympiques battent leur plein du côté d'Annecy aussi, le handisport est à la fête. Comme chaque année, Handisport Annecy et les associations sportives scolaires organisent une grande course populaire ouverte à tous. Le but, faire le plus de kilomètres possible afin de récolter des fonds pour l'achat de matériel sportif pour les membres de cette même association. Jean-Paul Crespi a suivi ce défi. Seul, entre amis ou en famille, dès le plus jeune âge, chacun peut courir, marcher, rouler la distance et le temps qu'il souhaite au profit du handisport. Et le principe de cette course de la solidarité est simple. Chaque participant réalise à son rythme sa plus longue distance sans temps de repos. Les performances de chacun sont ensuite additionnées et plus le nombre de kilomètres parcourus est élevé, plus la somme offerte par les différents partenaires est importante pour financer l'achat de matériel sportif pour des personnes en situation de handicap. Je pense que le plus beau geste, c'est que, quelles que soient les capacités de la personne qui va venir, et ses capacités sportives, elle va venir quand même en marchant, en courant longtemps pour certains, puisqu'ils sont habitués, mais on a eu beaucoup de coups de fil des mamans qui demandaient si elles pouvaient venir avec des poussettes, tout bêtement. Donc les gens font leur maximum pour apporter leur petite pierre à l'édifice de cet engagement et je trouve ça très beau. C'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde, vite ou pas vite, voilà. Je transpire beaucoup, donc non, c'est pas simple, mais c'est un exercice qui est utile et puis bah, nous on peut le faire, on a la chance de pouvoir le faire, donc il faut le faire. Je pense que l'entraide au jour d'aujourd'hui, elle existe toujours et qu'on vit dans un beau monde quand les gens sont main dans la main. Cette année, l'objectif était de taille, réussir à parcourir 35 000 km en une journée. En 2015, 34 259 km ont été parcourus par 7 668 participants. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, vous retrouvez Destination Montagne. Emmanuel Jaude vous parlera alpage et fromage du côté de Giette. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Passez une belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.